Hey, salut tout le monde, c'est Zonepeace et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo encore une fois ouverture de cartes. Oui, en ce moment il y en a plein sur la chaîne. Vous êtes complètement désabusés par l'ouverture de cartes. Et c'est magnifique. Alors, je vais juste baisser un petit truc. Voilà, ça devrait être mieux pour vos petites oreilles. On fait plein d'ouvertures de cartes, c'est magnifique, et cette fois-ci, ce sera pas du Luxio Axis comme la dernière fois, où ça m'a bien assez troll. Donc moi, je tourne à la suite, c'est pour ça que vous voyez aucun changement. Magnifique. Bref, cette fois-ci, ce sera du Platine Vainqueur Suprême. Donc, j'ai que 4 boosters, parce que ça coûte assez cher par rapport à XY Axis, où j'avais payé 3 € le booster, là. Je sais plus. Je les ai achetés sur eBay, bon bref, ils sont facilement retrouvables. Donc j'ai les 4 illustrations quand même pour bien illustrer mes propos. Alors j'ai encore changé un truc, désolé. Voilà. Allez, donc j'ai l'illustration Rayquaza, Dracaufeu, Absol et Karchakrok. Voilà, donc c'est les 4 illustrations. Alors, moi, vous le savez, mon illustration préférée, c'est Rayquaza. J'en avais déjà ouvert un comme celui-ci. Dans ma première ouverture, où j'avais ouvert plein de trucs, j'avais ouvert ça. Après, je dirais Absol. Après Dracaufeu et ensuite Karchakrok. Voilà. Donc, on va faire de celui que j'aime moins à celui que j'aime plus. Donc, je vais prendre un montant, on va dire, pour ouvrir ces boosters. Alors, ils sont sortis. Attendez, on les voit pas. Je vais essayer de bien les déceler aussi parce que j'ai pas les illustrations de booster. Ils sont sortis en 2010, non? Putain, la mise au point qui se fait pas automatique là. Oh là 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 là. Bon, on va le faire manuel. Voilà, 2010. C'est écrit ici, 2010. Donc voilà, ils sont sortis il y a déjà 5 ans. Déjà 5 ans, putain. Alors attendez, je vais juste refaire la mise au point. Voilà, je la fais manuellement parce que automatique c'est trop galère. Allez, j'essaie de bien l'ouvrir. J'avais pas. Putain. La galère. J'ai pas d'ongle. Bon. L'autre côté peut-être. Ah bah non. Ah non. Bah non, tu veux pas. Je te glaque la galère. J'ai pas envie de l'abîmer. Bon, on va faire un truc. Voilà. Je vais couper juste le haut. Donc je fais attention à pas couper les cartes. Juste. Voilà. Du coup, comme ça, il sera ouvert propre quand même. Voilà. Bon, voilà, c'est ouvert propre, hein, franchement. Pour ça, hop là, on va se battre par derrière. Alors, attendez, je vais juste vérifier un truc. Ok. Pour pas vous spoiler, ne serait-ce que la première carte. Ouais. Putain, ça sort pas! Ah, si, c'est bon. Oh, nom de Dieu! Ah, voilà. Donc, on va dire 2, 3, 1, 2. ça doit être ça. Il n'y a pas de code online, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas encore. Et c'est parti. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces cartes. Moi, quand j'en collectionnais, elle ressemblait plus à ça. J'ai pas collectionné vraiment quand j'étais tout petit. J'en avais beaucoup de gens qui en avaient autour de moi. Moi, j'ai pas vraiment adhéré tout de suite. J'en ai eu plus tard et c'était vers diamant et perle. Et du coup, voilà, un platine, diamant et perle, c'est à peu près à la même époque. Et j'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles me rappellent quand j'étais petit. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a le niveau du Pokémon. Du coup, ça donne un peu sa rareté, sa valeur. Et puis les illustrations sont très jolies. Donc Magnéty, Tortipousse. Donc elles iront tous dans un classeur. Pijako. J'aime bien ces cartes. Beaudrive. Otaria. Pijako de la Team Galaxy. Donc Pijako G. Donc voilà. C'est stylé. Motisma. Les conseils de Cynthia. Noctunoir, donc c'est une rare, non? Ah, la mise au point! S'il vous plaît! Oui, c'est une rare. Voilà, donc en passant le petit signe de l'extension,
Voilà, c'est quoi déjà le nom? C'est Vainqueur Suprême. Ça ressemble à un V. Ouais, je sais pas. Je sais pas vraiment ce que ça représente. Enfin bref, donc Noctinoir, une Rare Reverse et... Lal, j'aime la blague. Aujourd'hui, je suis le keeper des nouilles, hein, il faut vous le dire, parce que juste avant, j'ai fait mon ouverture X et Y et j'ai eu que de la merde. Il s'est mal ouvert. Bon, tant pis, c'est l'arrière. Dans mon classeur, ça se verra pas. Tant que l'avant est intact. Putain, je voulais pas en casser un et j'en ai cassé un. Allez. Ah! Ouvre-toi bien! J'ai vraiment pas envie que l'avant soit niqué. Voilà. Le ciseau couperait, hein, sinon. Putain, ça va toujours pas sortir. Bon, bah, je crois que tous les fans de Dracaufeu, bah voilà. Sorry. Donc voilà, j'ai un peu démonté le booster vers le haut. Bon, tant pis, je ferai avec. Allez, donc c'était bien 1, 2, 3, 1, 2. Je m'étais pas bourré, c'était bien à partir de cette époque-là qu'il fallait faire cette petite manipulation. Waouh! Etormi, mais il est shiny là. What? Il est marron, il est shiny quoi, il est marron. Bref, là pourrait. Paras. Tiplouf. Barpo. Putain, mais toutes ces cartes, elles sont super jolies, je trouve. Télétransporteur nocturne. Ok, bah peut-être pas celle-là. Ouf, le Dracolos FB. Battlefront, Front Battle, je sais pas. FB, ça me dit rien du tout. Mais en tout cas, il est très joli. Et c'est qu'une commune, putain. Cherche VS. Magnifique. Un caméra, putain, reverse. Putain, qu'il est moche, lui, par contre. Hein. Ouh, ils l'ont complètement foiré, je trouve. Et Solarock en rare. D'accord. Bon, je m'attends pas forcément à avoir des ultra rares de la mort qui tue, parce que j'ai que 4 boosters, quoi. Donc j'ai Absol. On va bien voir ce que ça donne pour Absol. Par contre, j'aimerais bien l'ouvrir sans l'allumer. Sans l'allumer. Sans l'allumer. Putain, ils sont bien plus durs que ceux de XY6 à m'ouvrir sans abîmer là. Ah, ça veut y aller. Nagui. Ok. Ça va. Ça va. Voilà, j'ai ouvert en mode en deux comme ça. Donc ça va. L'illustration de l'avant n'est pas abîmée. Allez. Oh. Oh. Je sais pas, je sens un feeling avec les cartes. Les cartes me disent. Zone Peace. Tu as un mode feeling. Bref, allez, Sabelette. Kobu. Cricknut. J'aime bien parce que toutes ces cartes, je les ai pas, je crois. Balbuto, ah mince, je crois que je l'ai celle-là. Teral. Flobio. Okay. Elle est jolie cette carte quand même. J'ai cru qu'elle brillait au début. Chapignon. L'initiative d'Elio. Métallo. Mais attendez. Métallos holographique? What the? Arceus. Quoi? Mais ouais, alors attendez. C'est quoi ce bordel? J'ai pas eu le reverse. Je sais pas. J'ai eu un Metalos holographique. Alors du coup, j'ai voulu voir ce qu'il y avait derrière. C'est pas la reverse. C'est un Arceus niveau 100. Pourquoi pas? Et apparemment, il y en a 5. Enfin, il y en a moins 5. Parce que je vais. Voilà. J'ai le Arc 5. Attendez, c'est pas le même signe d'extension, c'est quoi ce bordel? Je ne comprends rien. Bon, bah ils ont glissé des Arceus dans l'extension, d'accord, c'est pour ça que j'en dis. Oh, mais ces cartes sont magnifiques. Je vais les mettre sur protège cartes, parce que là, ça ne va pas du tout. Il faut que je chope les protège cartes, les gens.
SOS protège carte. Carte en danger. Ils sont dessous. Ah, ils sont tous dessous. Ah putain, j'ai tout renversé. Qu'est-ce qui se passe? Le sac de protège carte. Donc vous allez me dire, mais c'est le même sac que pendant ta première ouverture. Mais il est bien plein. Mais c'est parce que j'ai récupéré tous les protège cartes parce que je les ai mis dans les classeurs. Bah ouais, c'est mieux de les mettre dans les classeurs. Moi, ils sont triés, ils sont protégés, enfin bref. Alors, tac. Donc, ce sont des protège cartes souples, c'est le temps que je les range, de toute façon. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Elles sont protégées, je les mets bien à côté. Alors, donc, Absol, ça a l'air d'être un chanceux. Donc, le dernier booster, le booster Rayquaza. Ah ah. Il est sauvage. Il veut s'échapper. C'est qu'il a quelque chose dedans. Où est-le? Alors, j'aimerais bien l'ouvrir aussi. Parce que je me souviens plus si j'avais ouvert comme il faut. Alors attendez. Voilà. Ah si. J'aurais bien avoir entendu. Donc voilà. Moi pour moi ça c'est ouvert comme il faut parce que tant que l'avant n'est pas abîmé, vous voyez, l'avant n'a rien. C'est bon. J'en ai rien à foutre de l'arrière. De toute façon, c'est pas ce qu'on regarde un booster. Vous êtes prêts? On va le faire en mode portoricain. Je crois que j'ai vu quelque chose, mais je suis pas sûr que ce soit les reflets du soleil. Corion! Ocrapins! Bulle bizarre! Alors, je sais plus. Je crois que je l'avais déjà. Oui, je l'ai eu déjà. Dadio. Sabelette. Oui, j'ai déjà eu, lui, dans cette ouverture. Chamallow. Catarno. Salle du maître. Parasecte. Oh! Arceus plante. Donc l'autre c'était un acier, je pense. Ou un normal. Je pense que c'était normal. Hein. Donc j'ai eu le plante. Lal. Le mec est... Mais pourquoi? Ah, mais c'est déjà la dernière carte! Ah, d'accord, c'était un parasecte rare en fait. J'ai pas vu. Ah oui, effectivement. Ah là là là. Ah, donc, du coup, en fait, ça, elle remplace la reverse, mais se met derrière la rare. La rare se met à la place de la reverse, et celle-ci se met... C'est le bordel. Hein. Pour la mettre à la place de la reverse. Donc, ça, c'est cool. J'ai eu deux Arceus, lol. Alors, donc, pour moi, les meilleures cartes de cette ouverture... Voilà, donc ce sont ces trois là. J'ai pas eu d'autres holos. Sans faire attention, je sais plus. Alors attendez, tic 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 tic. Non, non, c'était le troll. Non, 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 non. Non, j'ai pas eu d'autres holos. Donc. D'abord, on va faire comme ça. Le méga. Non, il est pas méga. Le métallos. Donc en holographique. Donc j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Le Arceus normal, je pense. De toute façon, s'il est pas normal. Vague menaçante, hein, mais non. Je dirais qu'il est normal. S'il est pas normal, c'est qu'il est obscur avec la lune. Enfin, j'en sais rien. Le Arceus plante. Voilà. Donc j'aime beaucoup parce que il y a des espèces de. Vous savez, sur les écritures, il y a des espèces de traînées là. Ça fait stylé. Bref. Donc voilà, on s'arrête là pour cette ouverture. Je sais pas s'il y en aura d'autres d'ouverture de cartes Pokémon. Peut-être. Peut-être pas. Je verrai. D'après ce qui m'intéresse. Bon, en tout cas, s'il y en a d'autres, ça sera sûrement du XY6. Ou encore du Platine, comme celui-là. Parce que ça doit être ma série préférée. Parce que franchement, waouh. Wow. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les cartes. Bref, on s'arrête là. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres ouvertures. Ciao.